Comme vous, nous l'avons vécu le 30 septembre dernier, un nouveau coup d'État militaire survenu 8 mois après le premier coup. Alors, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration s'est maintenu et a opéré et voudrait opérer des changements. Alors, bien sûr, comme protagoniste de la scène politique, nous regrettons certainement ce qui s'est passé parce que c'est l'interruption d'un processus qui était initié il y a 8 mois. Bon, tout n'était pas parfait, mais bon, on essayait de marcher ensemble. Et voilà que des raisons multiples ont compliqué cette marche commune nationale. Nous pouvons retenir vraiment comme point focal des difficultés l'insécurité. L'insécurité due aux attaques terroristes. Les 3 pays traumatisés, essentiellement le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Et le Burkina Faso a payé aussi son tribut de souffrance. Vous voyez, le territoire est partiellement occupé, avec des préjudices énormes en termes d'économie, en termes d'éducation, de scolarité, des écoles fermées. Et la cohésion sociale a pris un coup sérieux. Nous souhaitons un retour à la paix sociale, la réconciliation pour un Burkina Faso plus heureux, une société plus fraternelle, une société où chacun a sa place et est respecté, le respect de la vie humaine. Voilà un ensemble de biens communs qui constitue notre préoccupation majeure. Alors, nous ne pouvons pas anticiper pour dire ce qui se passera. Alors, les protagonistes se sont accordés. Le président sortant a donné des conditions acceptées par l'autre partie. Et il y a un consensus qui semble bien se confirmer. Et nous allons œuvrer autant que faire se peut. En tout cas, nous nous rendons. La fêtière sera disponible pour apporter sa modeste contribution dans la mise en œuvre de ses préoccupations. La rencontre, par exemple, avec la CEDEAO, qui aura lieu ces jours-ci, pourra contribuer à nous rassurer les uns les autres et à préciser une feuille de route pour l'avenir, un avenir radieux et réussi. Il y a certainement beaucoup d'attentes. Nous sommes convaincus que, comme le dit le proverbe chez nous, un seul doigt ne ramasse pas la farine. Tout seul, nous ne pouvons pas faire de ce monde un monde beau, un monde sain, un monde humain et fraternel.